Bonjour à tous et à toutes, c'est Verxius et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle technique Kama sur Dofus. Alors on va faire directement avec les overjets sur les anneaux, les alliances, tout ce que vous voulez. Donc moi j'ai pris en note satisfaction le flanc des étoiles, les 4 ameublocs royales. Donc j'avais déjà fait cette vidéo mais il y a eu un problème de son, donc vous pouvez voir, j'avais réussi les jets. Donc peut-être que certains connaissent cette technique et savent déjà de quoi je vais parler. Donc les overjets. Donc il vous suffira de prendre n'importe quel anneau ou amulette ou équipement rajoutant un PA, un porté ou un PM. Donc comme par exemple l'anneau en mousse hein, d'invocation, donc vous pouvez l'over 120 de vita, alors qu'il n'a absolument pas de vita normalement, il a qu'une invocation. Donc si en passant je vais vous le faire. Donc moi, vous pouvez aussi prendre le gel anneau, mais je vous conseille vraiment pas. De tenter d'ailleurs le PM aussi, parce que beaucoup de gens tentent d'exo-PM cet anneau. De l'exo-PM, donc vous voyez 3 millions, mais vous allez dépenser beaucoup plus que 3 millions de Kama pour acheter les runes. Donc on va directement aller à l'atelier des runes. Donc je vais vous montrer les prix quand même des PA des PM, c'est vraiment assez cher. Donc regardez, runes GAPM, 1 million 6, ça fait 16 millions, oui, les 100. Donc les runes GAPA, c'est assez moins cher. Donc depuis pas longtemps, ils ont vraiment... Depuis Dofus commence vraiment, je trouve, à être de plus en plus nul. On est le 15 avril 2015. Et les runes, pour avoir l'obtention d'une rune, c'est vraiment, mais beaucoup plus dur. Les prix ont été augmentés, mais x10. Avant, les runes GAPA, ça valait 4 millions les 100. Maintenant, 23 millions. Pour l'obtention des runes Pavie aussi. Par contre, les prix ont baissé. Mais c'est beaucoup plus dur d'en avoir. Donc on va continuer la vidéo. On va commencer avec l'anneau en mousse. Hein. Tant qu'à faire, ça va vraiment pas beaucoup de prendre de temps. Donc vous prenez un anneau, donc de bas level, c'est assez facile, c'est le plus facile. De bas level, donc vous le cassez, voilà, avec une rune dommage. Donc pour ceux qui ont beaucoup de caractéristiques, comme attendez 2 secondes, comme l'ameublope royal. Je vous conseille pas de passer dommage, ça servira absolument à rien. C'est vraiment pour ceux qui ont qu'un seul de caractéristique, une invocation en P1-PM. Et on va direct repasser de la Vita. Vous allez voir, ça va monter très vite jusqu'à... Je pense que je vais monter jusqu'à 120, 130, je vais arrêter. Ouh, c'est assez bizarre, cet anneau a déjà dû être... Donc on va recasser. On va casser. Le dommage est malheureusement passé. Donc voilà. Donc bon, je vais stopper dès que ça va commencer à... Donc voilà, 80 de vita, j'étais à 90. Donc vous voyez déjà, on a directement augmenté le jet à 80, on peut le monter à 120 facilement. Donc on va prendre la note satisfaction maintenant. On va le casser avec le dommage. Donc la manip est vraiment simple, hein. Ouh là là, ça passe pas, j'ai vraiment pas de chance aujourd'hui. Donc là, rune pavie. Donc je pense qu'on va monter vraiment un bon jet. Donc à l'autre, j'ai monté 132 vita tout à l'heure. Ben voilà, on va laisser à 130. Et le PA est repassé, donc 132 vita en PA. Là où vous êtes bien fait 150 000 kama d'un coup. Donc après ça dépend des prix, parce que beaucoup de gens faisant du PVP, souvent les gens faisant du PVP à bas level ont beaucoup de moyens. Donc une fois qu'ils revendent les équipements PVP, parce qu'ils s'en lassent, ils les revendent mais vraiment à très bas prix. Donc ça dépend de la concurrence, du moment, etc. Donc déjà 132 vita, donc on va passer à l'amulette. Bon, je vais faire direct une petite coupure et dès que j'aurai... Non, je vais vous montrer d'abord. Comment je fais pour les équipements de plus haut level qui ont plus de caractéristiques. Donc vous n'êtes pas obligé de casser le PA cette fois-ci. Donc on va remonter le soin à 5. Bon, attendez. Donc au pire, faites comme moi dans la vidéo. Donc le maximum est 30 d'agilité, 32 vita. Donc on va monter à 5. À 5, on va repasser l'invocation. Et bien sûr, ça a tout cassé, c'est pas grave.
Donc voilà, sur 28 ans, on va laisser comme ça. Le PA, il passe, bien sûr, il n'y a pas l'invoque. C'est pas grave. Donc je vais vous montrer comment. Donc ça, c'est la première technique. Casser le PA en passant des runes. C'est assez difficile, ça met du temps. Là, j'ai eu de la chance. Normalement, le PA met beaucoup de temps avant de se casser. Parce qu'il coûte beaucoup de puits et les autres ne coûtent pas beaucoup de puits. Donc je vais vous remontrer l'autre technique. Donc vous voyez, déjà là, ça vaut 500 000 kamas. Hein. Over comme ça avec ce jet. 500 000 kamas. Que vous venez de faire dans la poche comme ça en 30 secondes. Donc c'est vraiment une très bonne technique. Donc là, il y a vraiment un jet qui a déjà été pas mal FM par quelqu'un d'autre. Donc vous voyez, je viens de tout perdre d'un coup parce qu'il avait été FM. Donc on va maintenant passer le soin pour monter à 5. Donc attendez, je vais voir combien de temps ça fait la vidéo. 6 minutes déjà. Donc je pense que je vais peut-être la couper dès que je vous ai montré la technique. Donc on va passer des pains. On va repasser l'invoque. Ouh là là. Ce jet est. Bon, le PA est parti. Donc je vais remonter un peu l'intelligence. C'est dommage qu'il est parti à ce moment-là. Donc je pense pas qu'il repassera le PA. Ce serait bien comme ça. Au pire, s'il passe pas. Bon, pour vous, le mieux, c'est qu'il passe, bien sûr. Pour la vidéo. Bon, je vais laisser à 111, je vais passer le PA. Voilà, le PA est passé. Donc là, encore 300 000 kamas d'un coup. Hein. Donc j'espère que le PA ne va pas se casser. Bon, lui, il est déjà FM. Lui aussi, c'est bête. Bon, c'est pas grave, on va casser. Hein. Donc 4 dommages, 5, voilà, 4 ans de vie t'as perdu, c'est parfait. Le soin, je pense que là, la technique va être bonne. Donc 5 de dommages. La chance part. Donc voilà, donc c'est bon. Là, on a les 5 de dommages. Donc un dommage vient de partir. C'est parfait. Et maintenant, on va mettre full vita. Donc voilà, la deuxième technique est de mettre un 5 de dommages, 5 de soins. Et de laisser se casser les dommages et les soins. Donc je vous conseille d'aller minimum à 3 de dommages, 3 de soins. Donc voilà, le soin s'était encore cassé. Donc je commençais à plus avoir de puits. Mais un soin s'est cassé puisqu'il n'y avait plus de puits. Et je suis retombé à 4 de dommages, 4 de soins. Donc là, je pense que je vais monter à 120. Facile. Donc vous voyez en bas, la vita passe. Le PA est parti. Bon bref, c'est pas grave, vous avez compris la technique. On va continuer avec le PA parti. Donc là, je pense qu'on peut monter à 150, 140. On va monter à 140, on va stop. Ah bon, on laisse comme ça. Donc le PA, bon c'est pas grave, ça a tout cassé. L'essentiel, c'est que vous avez compris la technique. Donc on va directement aller à l'HDV. Donc vous allez voir, hein, en 1 heure, vous pouvez vous faire facilement 5 millions de kamas avec ça. Facilement. Pas de bénéfice, bien sûr. C'est bénéfice 3 millions environ. Donc il vous faut quand même une petite somme à la base. Donc oui, voilà, j'ai retrouvé les hôtels de vente des bijoutiers. Donc j'ai déjà mis en vente juste avant une Ami Blop Coco Royal, parce que j'avais raté la vidéo, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Donc 500 000 kamas avec ce jet. Donc elle. Ouais, il y a déjà un bon jet, elle. Meilleur, j'attends tout ça, il manque l'invocation, donc je vais mettre, je pense, 485 000. Hop, la haute satisfaction, même jet, 100 000 kamas. Griotte, on va le mettre à 246 000. Donc bien sûr, si vous n'êtes pas à ma place, enfin si vous êtes à ma place, ne faites pas comme moi là, c'est juste parce que j'ai déjà vu les prix, donc si vous voulez, je vais vous les montrer. Blop. Donc voilà les prix. Donc lui, il est déjà FM, il n'y a pas de dommage. Donc franchement, ça m'étonnerait que quelqu'un lui achète. Il n'y a rien presque, il y a juste la vita et la chance. Enfin pas lui, lui c'est dans le jet normal. Lui, il n'y a même pas le PA. Donc lui c'est le mien, je crois. Non. Lequel? Je l'ai pas quand même vendu déjà. Non, ça doit être lui le mien, voilà. 425 000. Donc vous voyez les prix. Ouais, c'est celui que j'ai mis tout à l'heure. Donc lui, je vais pas le mettre puisque je l'ai déjà. Anneau en mousse. Il n'y en avait aucun en HDV. Il y en avait juste un 4500 kamas. Quand on est tout à l'heure. Donc on va le mettre à 98 000 kamas. Ça va se vendre, bien sûr. Dans quelques temps. Quand je dis quelques temps, c'est pas longtemps, hein, vous inquiétez pas. Donc le flanc des étoiles. J'ai oublié de l'effet, mais
Vous avez compris la technique. Je l'avais déjà fait dans la vidéo d'avant. Donc ouais, vous voyez ce que ça a fait. Donc 120 de vitalité, c'est exactement la même technique que pour la Mublop. Un gris. Pardon. Pour la Mublop Coco et Griotte que j'ai fait devant vous. Donc voilà, c'est à peu près tout ce que je voulais dire sur la vidéo. Donc j'espère qu'elle vous aura plu. Alors soyez indulgents s'il vous plaît, puisque c'est ma deuxième vidéo sur ma chaîne. Donc j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner ou à mettre un like. Allez, ciao ciao les gens, à la prochaine vidéo.